Oui, Mbote est encore Bandeko, il y a PPDC, Résistance Keto, Nao, il y a Parti Politique Démocrate Combattant. Mbote na bino nyonso. Tozali toujours kolobela, makambo etali mboka na biso. Et puis, ndengenini, en tant que combattant, tozali komona évolution mboka na biso. Ya solo. Nayoki ba mécontentement ya ba ndeko mosusu o bazali contre le combattant. Vous avez raison. Et puis nayoki pe maloba mosusu ya ba combattant o bazali contre bato bazali contre na bango. Vous avez aussi raison. Maintenant, on va expliquer pourquoi Bango Mibale Bazan a raison. Narobana Naba na Moutou Azali na mécontentement na ba combattant. Namasolo ndenge to solaki. Po a expliquer ba point naye ndenge nini azoko sepelate na ba action oyo biso tozali kosala. Et puis na monaki yango ezalaki malamu. Donc, il y a un appuyé pour nous rebaquer. Et Zalina est tamboli au bus de combattant et c'est un ami qui est tamboli. Pour l'image de l'abysso, où tu as reflété, na bayo qu'on dit maintenant que l'action de l'abysso est salatée, il faut être positif. Pour ceux qui sont toujours la position en négativité, na kanisi, donc vous allez vraiment soutenir tes na actions na biso tous les cosala. Pourtant, la chose que nous faisons devrait être noble. Et on a besoin de permettre que yebisana batu oyo besoin de comprendre ma combattante, bah comprendre ma point na bango. Yangwana. Na makanisi na biso ndenge toza kokanisela mboka et puis na makanisio ya bato mosusu ndenge baza kokanisela biso ma makanisio eza na kati na biso te yangwana nde eza kosenga kedo zwa ba temps mpona kosala ba explication précis. Bato bayebi sens ya kombate. Il faut que sens ya combattante. Il faut ba yoka comme ça ba mekako ko bongisa na ndenge ya ko kama malamu. Tango komi combattant. Omilobike obimi combattant. Ça veut dire que ozali ko revendiquer ba droit pour l'évolution de Mboka. Il y a un autre qui répond, na bato balobi ke ba combattant ba yebi vraie lutte na bango ya combattre. Yango pe na wuti ko tsongisa la bango maloba pona olba ke vraie lutte ya combat ezali vraiment nune. Parce que ceux qui tous allez que ça là marche dans dengue normal to tiki ki bozoba to tiki ko beta na gabiso na biso pona ko landa dengue koki na kanisi makambo ko tambola na dengue ya solo mais ceux qui tous allez toujours na penser ya ko beta na gabiso na biso et puis ils allez ko créer biso division les sous. Wana ezali nde mabe. En tant que combattant, j'ai aussi des visions, j'ai des projets avec une autre façon de s'engager que le vôtre, mais pour toujours le même objectif, le Congo. Parce que dans l'affaire en question, ce n'est pas l'homme
ni un combattant qui est à l'honneur, mais c'est d'abord la RDC qui est à l'honneur. C'est le Congo avant tout. Tozo ekolo. Mais pour nous bunda ekolo, il faut tozala na idéologie. Pour ceux qui idéologie na biso ezali malamo mingi te, et ozala mal perçu et puis mal compris par ceux qui cherchent à nous suivre. Na yango anande esengaki na sa ba point pour nous expliquer na baye oyo bazoko douter na ba action esengami na ba kati ya combattants. Et puis, to tikali kaka te na ba lutte na biso ya marche po bozoko lobake soki ba combattant bazoko sala nini bazoko linga nini et puis ba komema biso wapi ya ngwana na zongi po na ko expliquer que to ye pona ko libere mboka na biso oyo ezali nano na ba contrôle ya ba étrangers. Wana ezali revendication o ya tout combattant o azo ko mebenga na ezali combattant na bundela mboka na biso pe na lingi ke mboka ezala libéré. Mais sikoyo tozali pe koya lisusu na deuxièmement o ezali kosenga ke tozali koya na idéologie mosusu pona kosukula baye o batikali nano na ba pensée ya kobanga ba étrangers oyoyo bazali kosala biso ba nungunungu na kati ya mboka. Tango biso toza kotelema toza kosenga ke ba oyo pe baza na mboka batelema en même temps que nous. Mais na kotelema na biso to kotelema elobi kaka te simba mabanga elobi kaka te simba monduki elobi zala mayele et puis fongola misu loba. Pour ceux qui au Kangi Misu, nenge bayo baza na Kinshasa, mingi bazo rosala ba bêtise et bano rosala toujours continuellement et ko si la jamais. Wana ezali deuxièmement. Et puis tozo ko ya na troisièmement. Na troisièmement, wana sukozo ko bela ke to koti na idéologie ya campagne présidentielle. Parce que, autant donné que nous avons marché, étant donné que nous avons crié, maintenant nous devons être capables de exiger des choses que nous voulons pour l'évolution de notre pays. Yangwana ezoko sengake tous commis par candidat. Nous avons déjà candidat on a présenté nous avons combattant nous sommes au Congo et puis à Mokili Mobimbo à Mibingi combattant congolais à Zala na Mayele na Maye où nous avons annoncé la présidentielle où nous avons kende et nous avons été pour nous salam Maseki. Ezali ko kendama po toza ko ya na ba proposition pe na ba projet oyo sengi ya ko tonga mboka na biso na ndenge esenge beni. Wana ezali troisièmement na biso oyo ezali ko senga ke tozala na boyebi pe na okanisi oyo nyonso etali mboka. Sikoyo bo balingi bayeba tina nini tolingi évolution tolingi paix et po tolingi construction na kati ya mboka ya mwana tozali ko telema tout le temps tozali ko crier non violence tozali ko crier arrête le viol tozali ko crier génocide ba principe na biso ya mwana.
Ce qui te l'a dit, bon, le dit que biso ba combattant, tous en a idéologie, tous en a une proposition à ta mon côté. Nous en avons documenté à ta mon côté. Na kobimisa la bino kaka ndenge boyebi ki bobenga wa combattant soki mwa bazoba na siko bomona ke ba toa zoba wana nde bazali mayele koleka bino bino bazali nde bato bazali ya kokanga mamiso tozali ko proposer oye sengami tozali ko benga ngo Congo Royaume démocratique ou Congo Royaume démocratie. Okotuna elobi nini na kati pe makambo nango nini ezali na kati wana tokosenga oyo bakolinga beaucoup plus d'explications bakoluka biso soit na Google ou soit na Facebook na ba page nyonso ya Mbole Mangekela oye moko kangela mbaki okomona makoki nyonso oyo ezali kuna. Le KRD en question parle de quoi? Parle de l'unification du Congo, de tout son ensemble. Ça, on a toujours bien une idéologie en tant que combattant au Tozali Koyan en pour la nation Congo. Si que la réunification de la nation Congo, on a toujours le banabisonin. Ezako lobake lokola tozali na koyebanite biso na biso bana mboka parce que tantôt tozo mo neti ba trouble ko ezali koleka na bana ko ya Brazzaville ko bazali koyebate ke bango na biso tozali moto moko ba makambo mosusu ezali koleka na bana na Angola. Oh, pana yangola bazali koyeba te ke biso na bango tozali moto moko pe na makambo mosusu elekaka na kati ya Gabon oyo mingi bazali koyeba te ke biso pe na bango tozali moto moko na yangwana na Congo Royaume démocratique na idéologie na biso ya kopense. To pensa ki na parti politique démocrate combattant ou dans PPDC résistance keto ke to banda d'abord par des étapes. Ces étapes là permettront que nous puissions commencer à nous approcher en tant que état. Oroke na Braza, oroke na Angola, oroke na Gabon, orotika na Kinshasa, mais oroza na koyebani na ba elema oyo biso tozali ko linga ko lakisa bino bana mboka ndenge nini mboka na biso na mikolo ekoya ekotambola. Nous parlons, il y aura encore les quatre présidents dans deux pays que je viens de citer, mais il y aura un administrateur. Celui-là permettra que nous puissions réguler. Si nous arrivons à nous entendre, nous allons commencer à fédérer nos États jusqu'à devenir un royaume. Cette fédération permettra d'abord aux citoyens congolais de se retrouver en tant que citoyens et en tant qu'individus Congo. Oui, nous pensons à tout cela parce que nous aimons le Congo, parce que nous voulons que la nation Congo puisse retrouver sa vraie valeur. Parce que nous savons aussi le mal du peuple congolais n'est pas seulement qu'à Kinshasa, n'est pas seulement qu'à Brazzaville, n'est pas seulement qu'en Angola, n'est pas seulement qu'à Gabon, mais c'est dans chacun de nous. Si chacun de nous
n'arrive pas à se définir comme un citoyen Congo, ce mal-là continuera toujours. Voilà pourquoi, chez nous, au PPDC Résistance, qui est au Parti politique démocrate combattant, nous pensons d'abord pour vous, pour la nation et pour notre futur. Je sais quand même que parmi vous, il y en a ceux qui se doutent, qui doutent encore de dire que ben oui, ça fait longtemps, nous ne nous entendons pas, ça fait longtemps que nous sommes séparés, ça fait longtemps. Mais comment nous arriverons-nous à nous entendre? C'est ça la question qu'on se pose, c'est ça la question que chacun de nous, tout le temps, se pose, parce que dire que ben oui, tu es banté, tu es lingana raté, tu coquilles jamais qu'on en a bon ensemble. C'est faux. Ces éléments arrivent, c'est parce que le pouvoir en place, ceux qui sont actuellement au pouvoir, ne veulent pas qu'ils puissent avoir cette entente. Donc, ils vont créer la division à tout prix pour qu'ils puissent garder leur pouvoir aussi longtemps. Mais si nous arrivons, nous, à déjouer ce que eux, ils essayent d'installer, d'instaurer, cela veut dire que nous arriverons, moi ou les autres États, donc, qui ont les mêmes idéologies que moi, nous arriverons donc à faire en sorte que nos États puissent marcher ensemble. Nous le savons. Le Congo uni pèsera quand même lourd dans le monde. Et ça, je sais tellement. Nous parlerons de la richesse qu'a chacun de nos États. Et unis, nous deviendrons un des États quasiment la plus importante dans le monde. C'est des choses que nous devons chacun de nous comprendre que pourquoi. Mais nous le savons, nous le ferons étape par étape. Nous ne pouvons pas brûler les étapes. D'abord, nous arrivons, et si vous arrivez à nous accorder cette confiance, si nous arrivons à gagner les élections, autant bien le dire, et cela nous permettra de pouvoir enclencher des choses que nous pensons déjà pour le devenir du Congo. Voilà l'objectif en tant que citoyen congolais, oui, du monde, et en tant que citoyen congolais combattant pour son pays, pour la liberté de son peuple. Je ferme déjà entre parenthèses et j'ouvre une nouvelle pour dire, nous souhaitons aussi que nous puissions avoir une nouvelle monnaie. Cette nouvelle monnaie permettra que nous puissions retrouver l'équilibre monétaire. Parce que au jour d'aujourd'hui, si on donne à un citoyen congolais 1 dollar, dans l'échange de monnaie locale, ça lui ferait exactement beaucoup de sous. Idem pour l'euro. Mais par contre, si nous arrivons à créer une nouvelle monnaie équivaut à 1 dollar ou 1 euro, permettrait que nous puissions commencer à retrouver cet équilibre perdu. Voilà pourquoi, nous encore, en tant que citoyens combattants congolais, nous avons pensé à faire recours au Makuta nouveau. Il y en a parmi vous qui ont déjà vécu dans le temps de Makuta, qui savent exactement ce qu'est le Makuta, quelle valeur représente pour la nation Congo. C'est l'identité congolaise. C'est notre identité. En faisant recours au Makuta, c'est que nous retrouvons une part de nous qui était perdu pour leur redonner la valeur.
Nous allons les monter à partir de 1 dollar à 1 makuta ou de 1 euro à 1 makuta. Nous le savons. Il y aura aussi une création de petites monnaies pour arriver jusqu'à makuta. De 1 centime jusqu'à 10 centimes ou de 20 centimes, 50 centimes. Donc, on fera tout pour que nous puissions retrouver l'équilibre qui était avant. Je pense dans les années 60, on avait encore ces principes jusqu'à les années 80, environ, à peu près. Mais pour que nous puissions créer cette monnaie, nous devons, parce que nous avons l'obligation de faire venir des investisseurs pour que nous puissions créer des emplois, donner aux citoyens congolais le moyen de pouvoir mieux vivre. Les makuta à nouveau pourra ramener un salaire d'un citoyen congolais à égal environ de 300 à 500 makuta, ce qui sera équivaut à 300 à 500 euros ou 300 à 500 dollars. Ça dépend. Puisque si nous allons nous baser au niveau de l'euro, cela veut dire que les makuta dépassera largement le dollar. Voilà donc les principes que, en tant que parti politique démocrate combattant, que nous pensons déjà pour le futur. Ben, là, je ferme entre parenthèses et j'en ouvre une autre, une nouvelle. Et si vous dites encore que les combattants n'ont pas de propositions ou de projets, moi je vous parle de projets d'avenir que j'invite tous ceux qui veulent en savoir plus sur ma page, que ce soit en Google, Facebook. Donc vous trouverez toutes les choses qui seront déjà là mises en place pour expliquer ce que le devenir de la nation Congo, vision de combattants congolais. Nous parlons de bâtir le nouveau Congo, de reconstruire, parce que jusqu'à présent, on nous présente les cinq chantiers qu'on nous présente, on n'en voit que deux. Nous pouvons presque dire où sont passés les trois autres chantiers, parce que nous n'arrivons toujours pas à voir. Déjà plus de 15 ans passés, nous arrivons toujours à ça. Je pense que nous méritons quand même plus. La reconstruction du Congo est notre objectif. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons faire? Je pense que nous le ferons avec chacun de vous pour redonner à notre nation une nouvelle vision pour le monde. Et là, je ferme encore entre parenthèses. C'est pour dire à toutes ces personnes-là qui pensent que être combattant, c'est être résolu. Nous devons être résolus à la casse, aux troubles et à se battre entre nous, créer la division, le conflit, des foutes de merde. Non, ce n'est pas comme ça. Nous luttons pour un meilleur futur. Mais vous le savez tous, au sein d'un groupe, nous ne pouvons pas toujours maintenir les énergies de tout le monde. Au sein des gouvernements, nous avons beaucoup de personnes qui ont des pensées différentes, très différentes les uns des autres.
en tant que combattants. De même, nous arrivons à être confrontés avec des personnes qui n'ont pas les mêmes perceptions que nous. Mais ils ne sont moins que combattants que moi. Ils sont tout autant combattants. Voilà pourquoi nous arrivons et on le globalise. Nous disons clairement que nous voulons tous la même chose, celle de l'émancipation du Congo et de la paix de chaque citoyen congolais. C'est ça notre vraie lutte, c'est ça notre vrai objectif, parce que la star en question, ce n'est pas l'individu qui fait les vidéos pour les balancer sur YouTube, pour les balancer sur Google, sur Facebook. Mais c'est le Congo. Il y en a certains qui l'oublient. Le Congo est avant tout et doit être tout le temps le premier rôle dans tout ce que nous faisons. Je laisse un peu de temps parce que Mingi Akolo Bezali, mais moi, si les ma commis et comment ma qui est belé, mais ce qui, bon, moi, n'y a pas l'objet de se voir pour n'a koyebisana bato bazali na kozangi ya koyeba bakombatant mpo bando koyeba idéologie na bango ezali koloba nini mpe bazali kolinga nini mpona mboka na biso. Donc tokoprofondir ango plus soki nazwi ba message ebele, soki ba question ezali ebele mpona kolinga expliquer en plus et en large pour ceux n'ont pas pu comprendre pourquoi ni comment toko solo la yango malamu malamu comme ça ma pensée au yagolbake ma combattant bazar qu'on revendiquait bazar au sabbat marche toujours pour créer des troubles. Oui et non, maintenant vous savez pourquoi oui, pourquoi non. Mais nous devons aussi comprendre ces personnes là Vous savez, on est obligé de se battre pour obtenir quelque chose. Parfois, on est énervé, très énervé, lorsque on voit des individus qui sont au pouvoir, qui n'arrivent pas à faire respecter l'ordre de notre pays. Oui, ça nous énerve parfois. Mais je pense que nous devons arriver à canaliser nos énergies pour que nous puissions toujours être sous contrôle de toute chose qui peut choquer ou faire fuir des personnes qui chercheront sûrement à nous soutenir. Wanez Ali, point de vue, la lutte en tant que combattant. Mais pour Nabato Mosusu, Oyo, Bazali kolinga te que tous avons la même lutte. Au Bazali kolinga toujours que notre pays reste toujours dans l'instabilité totale, sous la domination inerte, avec le pouvoir qui est en place. Bazali ko babwe, bino bandeko. Bozali nde ba complice, ma kambo ezali kolinga na kati mboka na biso, parce que vous encouragez ces personnes-là à commettre ce qu'ils ne devraient pas commettre. Bon, ceux qui ont besoin de soutenir Bango tout le temps, vous voyez qu'ils ont besoin de faire la bêtise, mais le coup de la bosse, c'est que vous avez besoin de faire la bêtise. Pour ceux qui ont besoin de faire la bêtise, vous avez besoin de faire la bêtise. Vous avez besoin de faire la bêtise. Vous avez besoin de faire la bêtise. Tant que vous avez dit que vous avez dit, est-ce que vous vraiment en tant que citoyen congolais, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit, est-ce que vous vraiment citoyen congolais, vous avez dit que vous avez dit. Nous devons commencer à se poser cette question et arrêter de nous dire que regarde ce qu'ils font. Nous devons commencer à porter des solutions pour permettre à notre pays d'avancer. Voilà ce que je devais dire. Communiqué du PPDC Résistance Keto et des partis politiques démocrates combattants. Mbole, NKMB Mangikila. Et je vous invite tous à me suivre.